Je m'appelle Francesco Michalos de Caruso. J'utilise les pronoms « il » et « elle » de façon interchangeable avec des accords masculins. Je suis l'éditeur francophone du CBRC et je vous parle aujourd'hui à partir du territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabeg. J'ai le plaisir ce matin de lancer la deuxième journée de la conférence avec un petit retour sur la programmation d'hier et quelques rappels pour les événements d'aujourd'hui. As a reminder for folks who may not speak French, Summit offers live interpretation from one language into the other, which you can access directly on the conference platform, so be sure to connect to that so you don't miss a thing. Hier, on a lancé le sommet avec une séance plénière explorant les façons dont les leaders autochtones transforment activement le travail du CBRC afin de le rendre à la fois plus inclusif et attentif aux besoins des communautés autochtones, mais aussi pour donner plus de pouvoir et de ressources aux personnes bispirituelles pour mener ce travail par elles et eux-mêmes. Par la suite, nous avons entendu les discours passionnants et inspirants de Jack Saddleback, qui nous a parlé de la résilience bispirituelle, et Jay Simpson, qui a exploré les sujets des jeunes personnes autochtones prises en charge. De plus, lors du panel en plénière sur les aînés et les gardiennes et gardiens du savoir, nous en avons appris davantage sur le travail des leaders autochtones dans d'autres régions. Aujourd'hui, nous avons encore plus de contenu à explorer avec vous. Que ce soit les conférenciers et conférencières d'honneur, les séances simultanées, les présentations par affiche en direct pendant la pause dîner, il y a plusieurs sujets de discussion pour tous vos intérêts, alors assurez-vous de vérifier l'horaire de la conférence pour en savoir plus. Avant de commencer officiellement, j'aimerais rappeler à tous ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui que nous avons mis en place des règles communautaires pour les gens qui participent au sommet, décrivant nos attentes quant à la façon dont nous nous traitons les uns les autres et aussi comment participer aux discussions d'une manière saine et positive. Si vous n'en êtes pas déjà au courant, vous pouvez les consulter sur la page web du sommet à fr.cbrc.net/sommet-2021. Si, à n'importe quel moment pendant la conférence, vous vous sentez mal à l'aise ou vous avez besoin de parler à quelqu'un pour naviguer ce qui a été dit pendant une séance, nous avons une équipe prête en place pour vous connecter à des conseillères et conseillers. Nous savons que certains sujets abordés pendant le sommet peuvent être difficiles à entendre ou à discuter, donc n'hésitez pas d'utiliser ce service si vous en avez besoin, ils sont là pour ça. Si vous n'êtes pas en mesure de participer à une séance en particulier, mais que vous souhaitez tout de même entendre ce qui a été dit, nous enregistrerons tout le contenu du sommet, à l'exception des présentations par affiche, et nous rendrons le tout accessible sur notre site web dans les semaines suivant la conférence. Ainsi, nous vous demandons de ne pas enregistrer les séances par vous-même. Comme vous le savez, ou vous l'aurez peut-être déjà deviné par cette introduction un peu bilingue, certaines des présentations du sommet auront lieu en anglais, alors que d'autres se tiendront en français. Si vous avez besoin de sous-titrage ou d'interprétation simultanée d'une langue à l'autre, ces services sont accessibles directement dans la plateforme de la conférence. Si vous avez des questions ou si vous avez du trouble à accéder à ces services, écrivez un message dans le chat et nos moniteurs et monitrices vous aideront à régler les problèmes. De plus, nous aimerions savoir vos opinions sur la programmation d'aujourd'hui. Vous verrez un menu d'évaluation à la droite de votre écran si vous le faites défiler. Voilà où vous pourrez nous faire part de vos commentaires directement après chaque séance. Nous vous enverrons également une invitation à remplir une courte évaluation par courriel après la conférence pour en savoir plus sur ce que vous avez pensé du sommet. Alors, merci d'avance de bien vouloir nous partager votre rétroaction afin que nous puissions continuer à bâtir un meilleur sommet dans les années à venir. Finalement, un dernier petit rappel avant qu'on commence. Il y aura des salles de réseautage qui seront accessibles pendant la pause dîner aujourd'hui où vous pourrez discuter avec d'autres participants et participantes au sommet. Cette salle comprend 4 espaces dédiés aux membres des groupes respectifs. Donc, soit les personnes autochtones, noires, racisées ou de couleur, les personnes trans, non-binaires ou autrement issues de la diversité de genre, un espace de réseautage francophone et aussi un espace de réseautage régional où vous pourrez clavarder avec des gens situés plus près de vous. All right, vous m'avez assez entendu parler aujourd'hui. Passons maintenant à la présentation que vous attendez tous. Pour lancer notre première séance de la journée, j'ai le plaisir d'introduire Vincent Mousseau, un visage bien familier pour les gens du sommet. Salut d'entre vous qui ont assisté à la conférence de l'année dernière, le connaissez sûrement déjà ou peut-être l'avez-vous rencontré pendant notre événement de pré-sommet sur les réflexions des conférenciers d'honneur de l'année dernière. Vincent est également un des membres du comité de programmation du sommet qui nous a aidé à planifier la conférence de cette année.
Vincent, merci personnellement et au nom du CBRC d'être parmi nous aujourd'hui et pour tout ce que tu fais pour aider à guider notre programmation. La parole est à toi pour guider et lancer cette séance plénière. Donc, bonjour tout le monde et merci pour l'introduction, Francesco. C'est grandement apprécié. J'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tous qui sont toutes les personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente, mon nom est Vincent Mousseau, j'utilise le pronom « yel » avec les accords masculins. Je me trouve présentement à Chauchage Muniyan, qui est un lieu de rencontre pour plusieurs nations autochtones et dont les Ganyengehaga, aussi communément appelés les Mohawks, sont reconnus comme les gardiens de ces terres et ces eaux. J'ai le plaisir de vous présenter Florence Ashley, la conférencière d'honneur pour cette séance, qui nous parlera de la résurgence des pratiques de conversion visant les personnes trans. Before continuing, I'd like to remind folks that might have joined a bit earlier that interpretation from French to English is possible. There's an option at the bottom of your screen where you should see a little globe icon where you can request interpretation into English. But the presentation will take place in French. Please also feel free to ask questions in English or in French, and we will be able to translate them if needed, and they will be answered in French, so please make sure your interpretation is on. Donc, sans plus tarder, je vais présenter Florence. Florence Ashley est une juriste et une bioéthicienne qui termine actuellement ses études de doctorat à la Faculté de droit et au Centre conjoint de bioéthique de l'Université de Toronto. Étant métaphoriquement une sorcière biorgue avec des fleurs dans les cheveux, il a été la première auxiliaire juridique ouvertement transféminine à la Cour suprême du Canada. Florence écrit sur un large éventail d'enjeux auxquels sont confrontées les communautés trans, avec un accent particulier sur les pratiques de conversion trans et les approches de soins offertes aux personnes trans, aux jeunes trans, pardon. Son militantisme et son savoir lui ont valu le prix de l'héroïne LGBT de l'Association du barreau canadien. Sans plus tarder, procédons à la présentation. Florence, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je vais débuter en soulignant que je vous parle de la ville maintenant connue sous le nom de Toronto, qui se situe sur un territoire non cédé, notamment des nations Wendat, Anishinaabe, Anishinaabe et Métis, à travers le traité Deschutes One Spoon, ainsi que le traité 13 avec les Mississauga de la Nation Crédit. Particulièrement, les Mississauga du Crédit ont une relation particulière avec Massey College où je vis actuellement. Donc, je voulais particulièrement souligner ça. Je voulais aussi souligner que j'appelle à Massey College et à l'Université de Toronto de collaborer à retourner les territoires non cédés à ces nations-là. Au niveau de la présentation, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux des thérapies conversion, puis je me souviens vers la fin de 2020, alors que le Québec est en train de considérer sa nouvelle loi qui inclurait dans le fond une prohibition aux thérapies de conversion. Je me rappelle avoir reçu un message texte tôt le matin, je me réveille, un message texte d'une personne qui travaille à l'Assemblée nationale qui explique vraiment avec horreur avoir reçu dans le fond, un partage par courriel à travers l'Assemblée nationale de textes qui disaient, d'organismes anti-trans disaient, on ne devrait pas protéger l'identité de genre et l'expression de genre, ça va faire la promotion de mutilation des jeunes trans et ça va même, il y a une épidémie de contagion sociale envers les jeunes trans et on ne devrait pas protéger les personnes trans. Donc, c'était assez ahurissant et je me suis attardée à répondre de façon, écrire une lettre réponse à être partagée à l'Assemblée nationale qui explique comment, dans le fond, cette lettre-là avait tort et tout ça. Et finalement, heureusement, le gouvernement n'a pas
écouter ces voix-là et à protéger les personnes trans et non conformes dans le genre sous leur loi sur les thérapies de conversion. Mais malheureusement, quelques semaines après l'adoption du projet de loi, la même chose qui est arrivée en commission pour la loi fédérale, tout, à ce niveau-là, un déluge de mémoires et d'affirmations disant qu'on ne doit pas protéger l'identité de genre et l'expression de genre, contrairement à bon, toutes les lois du monde, sauf l'Illinois et la Californie, qui protègent l'identité et l'expression de genre. Et on s'entend que la Californie et l'Illinois, c'était seulement parce que c'était dans les premières juridictions à avoir prohibé, donc ce n'était pas encore débuté. Donc, cette idée d'ajouter l'identité de genre et l'expression de genre, depuis tous les pays, tous les États, toutes les provinces l'inclus, mais on voit vraiment cette montée d'opposition à l'idée de protéger les personnes trans en se basant sur une idée qu'il y aurait quelque chose de mal à être trans et qu'il y aurait une contagion sociale qui rend les jeunes trans. Cette opposition-là n'est pas isolée. Ça fait vraiment partie d'un mouvement beaucoup plus large d'opposition aux communautés trans et en particulier aux jeunes trans après dans le fond, les pertes dans les tentatives d'opposition aux adultes trans. Donc, il y a beaucoup eu de tentatives, notamment aux États-Unis, de restreindre la reconnaissance du genre des adultes trans et restreindre l'accès aux services. Et ça n'a largement pas réussi. Et donc, il y a eu un revirement envers les attaques visant les jeunes trans. Je pense notamment au Royaume-Uni avec l'affaire Bell contre Tavistock qui a vraiment restreint l'accès aux soins au Royaume-Uni en disant que les jeunes trans ne pouvaient pas consentir aux soins et devaient donc se présenter devant la cour pour obtenir permission de commencer des bloqueurs de puberté. Décision qui a été heureusement été renversée en appel, mais le dommage est vraiment, a été fait au niveau de l'accès aux soins et qui n'est toujours pas revenu à la normale. Et ça a même enchaîné des retraits de soins, notamment à la Suède, en Suède, quant à l'accès aux soins pour les jeunes trans qui ne peuvent actuellement pas obtenir de bloqueurs de puberté ni d'hormones avant un âge avancé. Je pense aussi notamment à l'Arkansas qui a banni les soins d'affirmation de genre, décision qui, heureusement, a été bloquée en Cour fédérale pour le moment, mais on voit vraiment une tentative aux États-Unis de criminaliser le fait d'offrir des soins de transition aux jeunes, donc que ce soit des bloqueurs de puberté ou un âge plus élevé des hormones ou même certaines chirurgies pour les adolescents plus vieux. Et même au Canada, on voit quand même ces tentatives-là, notamment avec plusieurs cas en Colombie-Britannique. Donc, je pense à la cause ABCD où un père essayait d'empêcher son adolescent trans d'avoir accès à de la testostérone. Ensuite, il y a eu d'autres cas de jeunes encore plus vieux qui voulaient avoir accès à des mastectomies ou des parents essayaient d'empêcher ça. Ça n'a pas réussi encore, mais on voit vraiment un effort de restreindre l'accès aux soins au Canada aussi. Donc, c'est vraiment pas limité au Royaume-Uni, aux États-Unis. C'est vraiment un mouvement même global parce qu'on entend aussi beaucoup parler de ces mouvements-là en Amérique latine et ailleurs, surtout en Amérique latine, mais on entend un peu aussi, par exemple, en Asie. À mes débuts, quand j'ai commencé à travailler sur les pratiques de conversion lors de ma maîtrise, donc il y a donc environ 2017, je prévoyais vraiment un déclin de ces pratiques-là. Je veux dire, oui, c'était encore très présent. On parle quand même de 12 à 20 % des personnes trans qui ont
vécu des thérapies de conversion, c'est vraiment quelque chose de très grave. Mais on voyait la formulation d'un consensus autour des soins d'affirmation de genre. Et on voyait aussi la fin de carrière de la vieille école qui faisait la promotion de pratiques voulant vraiment décourager et minimiser les chances que les jeunes continuent à s'identifier comme trans. Donc, c'était vraiment une tentative de les pousser dans le placard. Mais on voyait vraiment la fin de carrière de cette vieille école-là et ils étaient de moins en moins invités et acceptés dans les cercles professionnels. Dans ces dernières années, toutefois, on voit vraiment une résurgence de personnes qui font la promotion de pratiques de conversion. Je pense notamment à des thérapeutes qui sont jeunes, qui sont dans leur début ou mi-carrière, qui font la promotion de dite exploration de genre, qui est dans le fond souvent une exploration sans fin et qui vise et qui est basée sur l'idée qu'il y a quelque chose de mal à être trans et mal à vouloir faire une transition médicale et qui vise l'acceptation du corps natal. Et donc, on voit vraiment ça. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le fond des jeunes thérapeutes qui vont vraiment faire servir de relève à cette vieille école qui semblait prendre le bord. On voit aussi une régression d'accès aux soins sur la base de ces arguments très conservateurs et qui sont vraiment basés sur une psychopathologisation du fait d'être trans. Et le résultat de ça, c'est qu'on voit aussi une polarisation des parents d'enfants trans et aussi des thérapeutes par les féminismes anti-trans ainsi que les approches conservatrices, donc des parents qui seraient peut-être, qui toléreraient au moins que leur enfant soit trans, même les parents qui seraient autrement conservateurs et qui toléreraient ou même accepteraient que leur enfant soit trans, sont maintenant fermement opposés par le fait que le message est envoyé que si tu fais partie de ces féministes anti-trans-là ou si tu fais partie du mouvement conservateur, il est nécessaire de rejeter l'identité de genre de l'enfant. Donc, cette polarisation qui a un effet vraiment néfaste sur les jeunes trans. Et cette résurgence se voit même au Canada sur le point de l'identité de genre et de l'expression de genre et sur les thérapies de conversion, on a vu que les conservateurs dans leur plateforme mentionnaient ne vouloir prohiber les pratiques de conversion que sur la base de l'orientation sexuelle, ce qui pourrait être un oubli si ce n'était du fait que les conservateurs ont invité plusieurs groupes qui s'opposaient à l'inclusion de l'identité de genre et de l'expression de genre lors des commissions parlementaires sur le projet de loi fédéral. Donc, les conservateurs semblaient vraiment vouloir promouvoir la voix des personnes qui faisaient la promotion de tentatives de changer l'identité de genre ou de prévenir l'identité trans de l'enfant. L'effet de tout ça, c'est vraiment d'abandonner les jeunes trans aux pratiques de conversion. Et on peut vraiment prévoir une croissance de pratiques qui visent l'identité de genre et l'expression de genre, ce qui est parfois par des tentatives intentionnelles des parents de soumettre leur enfant à des pratiques de conversion, mais aussi parfois les manipulations, parce que ce qui est important aussi de comprendre avec les pratiques de conversion, c'est que très souvent, des parents qui sont autrement bien intentionnés vont se pointer devant des personnes qui ont un CV long comme le bras, même souvent des CV de 15, 20, 30 pages, qui démontrent tant d'expertise sur les soins de santé envers les personnes trans, mais qui néanmoins utilisent des pratiques correctrices ou de conversion sur les jeunes trans, mais les parents se font dire « oui, mais c'est la chose à faire » ou ils ne vont juste pas bien expliquer leurs pratiques. Les parents pensent que leurs enfants sont d'entre bonnes mains
se voit consentir à des pratiques de conversion, ne sachant pas que c'est des pratiques de conversion ou se faisant rassurer par des personnes qui sont qui ont des affiliations professionnelles et beaucoup de publications dans le domaine et qui leur assurent que c'est la pratique à suivre. Ça a, on le sait bien, des conséquences absolument dévastatrices sur les enfants et aussi sur les adultes qui vivent des pratiques de conversion. On parle de beaucoup de doutes de soi qui peuvent vraiment miner toutes les relations futures. On parle aussi de développement, souvent de développement, donc une puberté endogène qui n'est pas désirée et qui peut causer, dans bien des cas, beaucoup de détresse. Et aussi, ça a un impact néfaste sur les relations d'attachement parent-enfant, qui aussi peut avoir des conséquences très graves pour le reste de la vie. On parle sur un plan quantitatif, on parle quand même d'une augmentation. Les personnes qui ont vécu des pratiques de conversion ont un taux de tentative de suicide 2,27 fois plus élevé que les personnes trans qui n'en ont pas vécu. Et c'est encore pire pour les personnes qui en ont vécu avant l'âge de 10 ans. Dans quel cas, on parle de 4,15 fois plus élevé les tentatives de suicide. Et c'est encore pire lorsqu'on regarde aux tentatives multiples de suicide. Donc, il y a aussi un aspect, non seulement plus de personnes qui font des tentatives de suicide, mais aussi souvent plus de tentatives de suicide. Donc, on parle de conséquences vraiment dévastatrices sur une communauté qui a quand même souvent des taux de tentatives de suicide de 30 à 40. Donc, quand on augmente à ce point-là le nombre de tentatives, on parle vraiment d'un nombre absolument ahurissant de personnes qui voient leur vie souvent ruinée par des pratiques de conversion et qui doivent prendre des décennies à essayer de bâtir une estime de soi qui leur permette de fleurir en société. Donc, comment contrer cette résurgence des thérapies de conversion visant les personnes trans? Premièrement, je pense qu'il est crucial de contrer les rhétoriques qui sont utilisées pour faire la promotion de ces approches-là. Souvent, les mouvements anti-trans utilisent un masque scientifique pour cacher leurs préjugés envers les personnes trans. Et ce qui est très efficace parce qu'on est dans un monde où la science et surtout la médecine est vue comme une forme de vérité et est vue comme étant neutre, comme n'étant pas politique. Donc, et là, il y a donc appel à des théories comme l'idée de du désistement ou du rapid onset gender dysphoria, ce que je vais expliquer un petit peu plus. Donc, par exemple, la théorie du désistement affirme qu'environ 80 % des jeunes qui seraient trans à l'enfance ne le sont plus étant adultes et donc qu'ils seraient négligents et même criminels de permettre une transition sociale ou médicale ou l'accès aux bloqueurs de puberté. Le problème de cette théorie-là, c'est qu'elle est basée sur des recherches qui sont très, très faibles méthodologiquement parce qu'on parle souvent de recherches qui ont été conduites dans des centres où 100 % des personnes qui étaient repérées ou 99 % selon le centre recevaient un diagnostic de trouble de l'identité de genre dans l'enfance, qui était l'ancien terme sous le DSM, donc la Bible psychiatrique. Et en donnant ce diagnostic-là, souvent sur la base de simples non-conformités de genre, donc des enfants dont environ 90 % des enfants, et ça a été avoué dans certaines publications de ces équipes-là, 90 % des enfants n'affirmaient pas être d'un genre ou d'un sexe qui différait de celui qui leur était assigné à la naissance. Donc, ce n'est pas des enfants qui disaient, qui venaient dire
qui venait dire, bon, moi, je m'identifie en tant que fille et je veux transitionner, c'était dans bien des cas des enfants qui n'affirmaient aucunement cela et qui ne cherchaient pas nécessairement à faire de transition sociale. Et pourtant, c'est utilisé pour affirmer que ces enfants-là sont tous grandis, 80% sont grandis n'étant pas trans, et donc ça prouve que ce n'est qu'une phase, cette idée d'être trans. Mais bon, il n'y a rien de surprenant au fait que la majorité de ces enfants-là, qui étaient à majorité, n'affirmaient pas être trans, n'ont pas grandi trans, parce qu'il n'y avait aucune affirmation que ces enfants étaient trans à la base. Donc, ce sont des études qui sont extrêmement faibles à ce niveau-là parce qu'elles sont basées sur une confusion entre l'identité de genre et l'expression de genre. Ensuite, il y a la théorie du rapid onset gender dysphoria, donc la dysphorie de genre rapide, cette théorie pseudo-scientifique affirme qu'il y a actuellement une épidémie de contagion sociale visant les jeunes et qui les mène à croire faussement qu'elles sont trans sur la base de, parce que, par exemple, il y aurait une misogynie internalisée ou il y aurait une homophobie internalisée ou encore il y aurait des traumatismes ou maladies mentales qui ne sont pas adressées adéquatement. Une des preuves qui est utilisée pour affirmer cette théorie-là, c'est une simple étude, une seule étude qui a aussi beaucoup de lacunes et qui essentiellement a été vous parler à des parents qui étaient sur des sites anti-trans et leur a demandé, bon, votre enfant, est-ce que vous avez prévu que votre enfant soit trans? Est-ce que vous avez eu des signes que votre enfant serait trans? Et ensuite a demandé, est-ce que votre enfant avait beaucoup d'amis trans? Et est-ce que vous pensez que votre enfant, sa santé mentale s'est dégradée par la suite? Et donc, dans bien des cas, les parents ont dit « Oui, mon enfant, sa santé mentale s'est dégradée par la suite. » Et donc, après ça, l'article dit « Bon, ben, c'est la preuve que ces enfants-là n'étaient pas vraiment trans, que ça ne les a pas aidés de s'affirmer en tant trans. » Et a complètement oublié le fait que le rejet parental de l'identité de genre est un facteur bien connu comme ayant un effet néfaste sur la santé mentale des enfants trans. Or, c'est une étude qui était basée sur des parents qui rejettent l'identité de genre de leurs enfants. Il n'y a rien de plus prévisible qu'une dégradation de la santé mentale de leurs enfants dans ce contexte-là. Ce qui est important, c'est de répondre avec compassion, science, mais aussi avec une certaine affinité bioéthique. Premièrement, ce qui est important de souligner, c'est que les jeunes trans se connaissent mieux que toute autre personne. Il n'y a personne qui connaît mieux l'identité de genre d'un jeune trans ou d'une personne trans. Et c'est aussi une question d'autonomie fondamentale parce qu'il y a très peu d'identité dans la vie de tous les jours qui sont aussi intégrales à notre position sociale que le genre. Donc, il faut respecter cette autonomie-là des personnes trans, qu'elles soient mineures ou non, mais aussi comprendre que les études démontrent que les personnes trans, les jeunes trans, connaissent bien leur identité de genre et que personne n'est mieux placé pour savoir quelle est leur identité de genre et qu'est-ce qui est mieux pour ces personnes-là. C'est aussi important de se rappeler qu'un enfant, ce n'est pas juste une personne dans le passé. Donc, ce n'est pas juste une personne à venir, mais bien une personne dans le présent qui a des droits dans le présent, qui a un bien-être dans le présent qui doit être pris en cause. Il faut aussi comprendre qu'il y a un consensus très fort sur les pratiques affirmatives parce que peu importe si une personne continue à s'identifier comme trans ou non, les pratiques affirmatives vont reconnaître leur connaissance de soi et va donc faire la promotion d'un bien-être qui est beaucoup plus grand que les pratiques de conversion qui sont un grand danger
elle aussi, peu importe comment l'identité de la personne se développera et si elle changera ou non, on voit notamment que les pratiques de conversion qui visent des personnes qui finissent par s'identifier comme n'étant pas trans et par exemple comme des hommes cisgenres gays, ces personnes-là vont souvent parler de tous les dommages psychologiques qui ont été causés par ces pratiques-là, même si leur identité finale n'était pas trans parce que ces pratiques-là leur enseignent qu'il y avait quelque chose de vraiment de mal au plus profond de soi et que leur attitude, donc que leur identité de genre ou que leur expression de genre était quelque chose de mal et qu'il fallait avoir honte. Et ça peut occasionner vraiment des traumatismes importants, et ce, peu importe l'identité de genre de la personne. C'est aussi important de comprendre que justement les pratiques de conversion qui visent les personnes trans et les personnes cisgenres gays ne sont pas distinctes. Il y a un historique, donc oui, il y a certaines divergences importantes, surtout dans le mouvement actuel, mais historiquement, ce sont des pratiques qui ont été créées en conjonction, notamment à l'Université de Californie à Los Angeles, où il y avait une tentative de prévenir que les enfants qui étaient dits efféminés grandissent soit gays ou soit trans, l'idée étant qu'être trans était une forme plus grave d'être gay et les deux étaient à éviter. Or, même si les mouvements actuels vont dire « oui, mais on ne vise pas cette orientation sexuelle », les pratiques elles-mêmes n'ont pas changé et donc auront le même effet néfaste. Il est aussi important de souligner l'inefficacité des évaluations, mais aussi de l'exploration forcée des jeunes, parce que quand on force des jeunes à explorer leur genre, on dit « tu ne te comprends pas, on ne peut pas se fier à ce que tu dis », et qu'est-ce qui arrive? Une personne se met sur la défensive. Moi, si une personne commence à être hostile à mon sens le plus profond de moi-même, je ne vais pas les écouter, puis je vais être hostile, et donc même une personne qui finirait par se rendre compte que la transition n'est pas pour elle, pourrait avoir des délais importants dans cette réalisation, justement à cause des pratiques de conversion ou des pressions à ne pas s'identifier comme trans. Donc, c'est quelque chose qu'on remarque et qui a un effet contre-productif aux pratiques qui visent à décourager les gens à être trans. Souvent, ça a l'effet contraire de ce qui est escompté. Deuxième point sur comment contrer ces pratiques-là, c'est bâtir vraiment des structures de support fortes. Parce que, premièrement, l'opposition aux soins de santé trans, ce n'est pas une opposition qui est rationnelle ou scientifique. Donc, il y a une limite fondamentale à la pédagogie. C'est souvent une réaction viscérale à la possibilité de l'existence trans ou à la transitude de l'enfant, de la personne particulièrement. Donc, c'est l'idée que avoir un enfant trans, c'est quelque chose qui arrive aux autres, mais pas à moi. Mon enfant ne peut pas être trans. Ce qui est nécessaire dans ce contexte-là, c'est d'avoir des structures qui rendent les pratiques de conversion impensables. Donc, premièrement, développer des capacités pour identifier les pratiques de conversion où elles se passent. C'est normaliser aussi l'affirmation de genre et l'acceptation inconditionnelle des enfants dans leur identification exprimer. Donc, si une personne dit « j'aimerais qu'on me réfère par ce nom et par ces pronoms », c'est d'accepter inconditionnellement sans commencer à avoir des « oh, mais est-ce que tu peux me prouver que tu es trans, etc. » Et c'est aussi dire faut rendre désirable le fait d'être trans. Ça ne peut pas continuer à être dans une société où c'est quelque chose de mauvais être trans, ce qui veut dire aussi améliorer la vie des personnes trans pour que justement les parents ne puissent pas dire « oh oui, mais c'est une vie tellement difficile, je ne peux pas vouloir ça pour mon enfant ». Parce que là, ça revient à déplacer le problème sur l'enfant, alors que la société est le problème, incluant le manque d'accès aux soins pour les personnes trans. Et comment est-ce qu'on fait ça, développer ces structures-là? C'est de se centrer, de donner du pouvoir aux voix trans et aux communautés trans, parce qu'on doit se rendre dans un monde où les vies trans doivent être plus
que simplement vivables, elles doivent pouvoir fleurir. Ça nécessite vraiment de supporter les personnes trans et les communautés trans dans nos vies et dans la société, mais pour de vrai, parce que la haine blesse beaucoup plus que la tolérance n'aide. Donc, pour chaque personne qui tolère, c'est une réaction qui est presque neutre ou peut-être un petit peu positive, alors que la haine est une réaction négative si puissante que souvent 100 personnes qui tolèrent ne pourront pas contrebalancer une seule personne qui a une haine profonde. Donc, on doit vraiment amplifier les voix des personnes trans, militer pour elles et demander des changements institutionnels et structurels par rapport à l'accès aux soins, par rapport à la dépathologisation des personnes trans et par rapport à enlever les structures discriminatoires et enlever la discrimination en société, à l'emploi, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans le logement ou ailleurs dans la société. Et pour ce faire, il faut aussi assurer un pouvoir collectif et communautaire pour les personnes trans parce que ce n'est pas un travail qui peut être fait de l'extérieur, c'est un travail qui doit vraiment centrer les personnes trans et surtout les personnes trans les plus marginalisées qui n'ont souvent pas le bénéfice des avancées libérales, par exemple, sur les lois contre la discrimination pour une personne qui n'a pas l'accès au système juridique, ça n'aide pas. Il faut donc vraiment créer des structures pour vraiment éliminer la discrimination vraiment au plus bas niveau et non pas dans un système juridique trop peu accessible. Et donc, je vous laisse avec ce mot-là qui est « la tolérance n'a jamais été assez ». Il faut créer un monde qui accepte et même valorise les personnes trans. Aïe, aïe. Merci, Florence, d'avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. Je trouve que c'est particulièrement pertinent présentement, compte tenu le contexte qu'on est en train de vivre, non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Avec les sorties médiatiques, surtout dans les médias anglophones présentement. Je sais qu'on est à court de temps, puis je voulais juste avoir assez de temps pour aborder les questions qui se sont posées. D'abord, je reconnais que t'es le genre de personne qui est toujours t'es toujours en train de gérer tes sources comme il faut. Et il y avait une question d'une personne qui nous demande la recherche qui est derrière la statistique où les jeunes personnes trans ayant vécu les thérapies de conversion étant 2 à 4 fois plus propices à... Donc cette recherche-là, les nombres précis proviennent d'une étude de Jack Turban, Noor Beckwith, Sarah Reisner et Alex Keroglian de Harvard dans JAMA Psychiatry, donc le journal de l'Association médicale américaine qui s'intitule Association Between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and Suicide Attempts Among Transgender Adults. Mais des données très similaires ressortent aussi de l'étude du Trevor Project par Amy Green, Miesha Price-Feeney, Samuel Dorison et Casey Pick, qui est publié dans, je ne me souviens plus du journal, du journal de American Association of Public Health Journal, qui s'intitule Self-Reported Conversion Efforts and Suicidality Among US LGBTQ Youth and Young Adults 2018. Dans cette deuxième étude, il n'y avait pas donc, il n'y a pas eu de désagrégation des populations trans et LGBT6. Toutefois, les personnes qui ont écrit le texte confirment qu'il n'y a pas de différence statistique entre les deux populations et que ce n'est donc pas moins dommageable pour les populations trans. Merci, Florence. Je m'en doutais zéro que tu allais avoir les sources de prête. Est-ce que tu seras en mesure peut-être de nous mettre ça, de nous écrire l'étude dans le chat ou juste de les copier-coller? je vais faire un copier-coller pendant qu'on
passe à la prochaine question. Oui, donc une prochaine question. Une personne qui nous demande, dans toute cette opposition contre la communauté trans, je peux comprendre l'impact sur leur santé mentale. Donc, une question avec deux parties. Existe-t-il des ressources pour la santé mentale et le bien-être des personnes trans au Québec? Si oui, quelles sont-ils? Sinon, comment la communauté trans au Québec prend-elle soin de la santé mentale, de sa santé mentale, comme ça? Oui, donc, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on comprend comme ressources ici. Si on parle de ressources écrites, il y a un merveilleux guide qui a été publié par l'Organisation de travail social et thérapeutes conjugaux qui a été publié sur notamment l'affirmation des jeunes trans, qui est une ressource exceptionnelle qui a été développée en collaboration avec plusieurs personnes trans. Donc, ça, c'est une ressource importante. Si on parle de ressources plus tangibles, c'est sûr que c'est très difficile. Il y a très, très peu de financement de la santé mentale, des soins de santé mentale au Canada et au Québec inclusivement. Il y a aussi un manque de capacité, mais aussi de spécialisation de personnes qui sont bien informées sur les enjeux trans dans le système public, qui est une des seules places où on peut avoir des soins qui sont couverts par l'assurance. Donc, la réalité, c'est que c'est très difficile et comment les personnes prennent soin de leur santé mentale, c'est souvent à travers des organismes d'aide mutuelle et des organismes communautaires qui ont des groupes de support, dont notamment un de mes organismes favoris qui est ASTEC à Montréal. Donc, plusieurs organismes de ce type qui vont souvent faire office pouvoir pallier en petite partie au manque de financement des soins, mais c'est une demande très centrale des communautés trans et de l'activisme trans d'avoir une vraie couverture et un vrai financement des soins de santé mentale à travers le Canada. Merci. Merci. C'est exactement ce que j'allais répondre, justement. Un gros moment aussi pour valoriser le travail qu'ASTEC est en train de faire avec le très peu de ressources que l'organisme est octroyé récemment. Une dernière question qui est ici, et je vous encourage encore une fois de poser vos questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des alliances qui se forment pour résister aux pratiques de conversion qui visant les jeunes LGBTQ+, et est-ce qu'il y a une valeur importante dans la création de telles alliances? La personne aussi aimerait faire le lien entre ces formes de thérapie et les formes de thérapie aussi pour les personnes autistes et pour les d'autres personnes neurodivergentes qui vise à créer, à les forcer à se conformer aux standards neurotypiques. Oui, donc je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cet enjeu-là, surtout notamment du travail qui ressort des communautés trans et autistes, donc du travail qui se fait à ce niveau-là. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'alliances à ce niveau-là. Et c'est souvent quelque chose qui est un peu triste de voir, par exemple, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral se dire en opposition aux pratiques de conversion visant l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et ensuite se retourner et dire que le Applied Behavioral Analysis est la seule forme de pratique pour les personnes autistes. Et dans le fond, finance ces pratiques-là de façon assez intense. Et ce n'est pas quelque chose qui est rarement demandé par les communautés autistes elles-mêmes, c'est demandé surtout par les parents. Et je crois qu'il y a un manque de prise de conscience que ces pratiques-là, les pratiques de conversion et les pratiques ABA, sont très, très similaires et en fait ont été, certains types ont été inventés par les mêmes personnes. Donc, l'Université de Californie à Los Angeles, dont je parlais plus tôt, George Reckers et Ivar Lovas, qui ont créé une des formes les plus importantes de pratiques de conversion
visant les jeunes efféminés, Ivar Lovaas est connu comme le père de Applied Behavioral Analysis et utilisait c'était basé sur la même conception behaviorisme des comportements à empêcher et à éteindre sur les jeunes, et c'est souvent même beaucoup plus brutal et violent envers les jeunes autistes. C'est quelque chose dont que plusieurs personnes essaient d'attirer l'attention à ça. J'en ai notamment parlé dans mon mémoire au Parlement lors des commissions pour C6. Noter le fait que c'est très hypocrite du gouvernement de faire la promotion de ces pratiques-là et aussi d'avoir une exception explicite pour les chirurgies visant les personnes nouveau-nées intersexes, tout en de notre côté ayant dire que c'est inacceptable de faire des thérapies de conversion envers les personnes LGBT. Donc, je pense qu'il y a vraiment place à une prise de conscience et une place à ces alliances-là. Je pense qu'il y a certaines choses qui se font de façon plus informelle, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu d'alliance formelle à ce niveau-là et je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment important d'envisager et de collaborer à cet effet. Merci. Je trouve aussi, je vais aussi prendre l'instant pour un peu mettre de l'avant le travail extraordinaire de Jake Pine, qui est en train de regarder la question des personnes neuroatypiques et les identités trans, puis qui essaie vraiment de conjuguer ces deux réalités-là en une seule cohérente. J'ajouterais aussi un livre extraordinaire qui m'a aidé en tant que professionnel, pour la traduction, ça n'a pas été traduit en anglais encore, en français encore, mais le livre s'appelle en anglais « Supporting Transgender Autistic Youth and Adults, A Guide for Professionals and Families » par Finn V. Grattan. J'ai mis le nom dans le chat. Cela étant dit, je pense qu'on est pas mal terminé. On a répondu à toutes les questions. Donc, je voulais encore une fois, Florence. Florence qui ajouterait aussi Trans. Ouais, un livre de Noah Adams et Bridget Liang, qui justement, Noah Adams, qui est à l'Université de Toronto avec moi et qui est un bon ami à moi. Donc, cool. La session tire à sa fin. Donc, encore une fois, Florence, merci d'avoir partagé. D'avoir partagé tes mots avec nous. Si vous avez si des gens ont d'autres questions, commentaires, aimeraient savoir un peu plus par rapport au travail que tu fais, est-ce qu'il y a un endroit où on peut les référer? Absolument. Donc, au www.florenceachelet.com, il y a tous mes articles très gratuitement, très légalement. Sur mon site web, il y a aussi mon courriel, donc sentez-vous libre de m'écrire par courriel et je suis aussi au @butnotthecity sur Twitter et vous pouvez m'envoyer des messages sur Twitter et me suivre pour entendre plus de mes idées sur ces enjeux-là. Parfait. Bien, merci, un gros merci puis aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps pour nous écouter aujourd'hui. Et j'aimerais prendre le moment pour vous souhaiter une bonne continuation du sommet. Je vous demande de ne pas oublier de faire part de vos commentaires sur cette séance en remplissant le formulaire d'évaluation. Merci et bonne conférence. Mm-hmm.